Nous voici au MCC, au Tennis Club de Monaco, pour rencontrer l'entraîneur des Félix Auger-Aliassime. Et bon, ils sont là, les deux grands entraîneurs, qui vont nous dévoiler quelques petits secrets. On commence par vous, présentez-vous s'il vous plaît. Alors bonjour, moi c'est Guillaume Marx, je suis entraîneur tennis de Félix Auger-Aliassime avec Frédéric Fontan, qui est le deuxième entraîneur tennis. On est toute une équipe. Et puis je... Voilà, bonjour donc, monsieur. Bonjour, je suis Nicolas Perrot, je suis l'entraîneur physique de Félix et donc je travaille avec les deux entraîneurs de tennis. Et vous êtes ici au Monte Carlo Country Club pour combien de temps? Alors on est ici pour une période d'entraînement de plus de 4 semaines pour préparer ensuite toute la saison 2020 qui va commencer en Australie. Comment ça se fait qu'un jeune il devient 21e dans la classifique mondiale? Dites-nous les secrets. Alors pour son physique, il n'y a pas vraiment de secret en fin de compte, c'est simplement qu'il a des bonnes qualités naturelles déjà à la base. Et puis il a aussi la capacité de s'entraîner dur, régulièrement. Et puis je pense qu'il sait aussi où il va, donc il est très déterminé. Donc c'est des éléments qui font que ça lui permet d'atteindre déjà un bon niveau. Mais comme il est très ambitieux, il y a encore certaines marches à franchir. Dites-moi encore une petite chose, parlez fort s'il vous plaît. Oui. Dites-moi quelque chose, qu'est-ce que ça va arriver après cet entraînement? Cette période d'entraînement, c'est une des bases de la saison prochaine. Il devrait sortir de cette période un peu plus confiant en son jeu, un peu plus fort. Et après, il faut valider sur les matchs du début d'année en Australie. Alors, on est juste dans un processus de construction du joueur et puis on avance petit à petit, pas à pas. Et donc voilà, j'espère que Monaco, le Country Club, il va très très bien vous aider à l'entraîner parfaitement. Merci beaucoup, chers amis. Oui. Et dites au revoir à tous les amis qui aiment le tennis dans ce monde. Au revoir. Au revoir. Merci.